Docteur Batié, il fallait Kakao Siligabongo va comprendre. Destin Kikunda, Cabra Bangor, Machab la pharmacie Mavri, Paul Gervais Bimba, Serge Denao, Emery Olaï, Alain Obambi le pétrolier. Celui qui est fort, pas pour lui-même, mais celui qui est très très fort, pas pour ses amis. Bolingo, na zwa ki mingi lokola kredi na banke. Le longa na komiko futa, moke moke. Ekstaza bolingo ele ki nga mobulu e na servo. E nga kobakati nga na kolo, na mahaboko e. Li susu nga na se retrouve vraiment awa na li bulu. Engrais chimique et boy vraiment cocolissa bolingo na biso. Un jeune agronome à l'obikuna terrain et sans sable émouvant. Et n'a kobilo que boy colo na ma forte à bolingo. Fumu kimpa docteur Batinga na sambwe. Le colonel est bolingo na joa kimini lo kola tredi na bampero. Salana kami kofutani yango moke moke. Extase bolingo ele kinga mobulu e na servo. Anga bakati na maboko pe bakati na makolo. Lisusu na se retrouve vraiment awa na libulu. Anga chimike boy koko lisa vraiment bolingo na biso. Ingénieur akona malodie kuna terrain eza sable mouvant. Anga kobilo kwe boy kolo na marere potia bolingo re. Ah papa wemba oli beti nana sapwe prise porte fino samba bolingo. Shine on my body, guess me. Gonna happen. Surely now we're part of this mission. Forever, forever, you and me. Something new. Yeah. Surely now we're part of this mission. What is in no pain, no pala va combo. Combo, la quinta vita. Yonzo bikwe mone mampungu wa ili kabyo. Toto u wata mampungu hey, wata mampungu. Yonzo bikwe mone ameni yandi wa ili kabyo munu zoro luazi. Ceux qui te tiennent à cœur et ne perds pas une. Africa, Haïti, let's go. Oudéabé, Oudéabé. Aïe, aïe, aïe. Oudéabé, Oudéabé. Latis Akkad. Tala bijinu bien, no bikondo, no mansanga zanga. Tala tchafuta tchen, no tchishirin pandala munitu. Kambo bimpo ila kwa mbiri jobu cheleka. Kambo chimbavo chaya chakuna bela chakuva vova. Ambe ngoma kazonza mbataka buijea. Nani waonda musese ngulwe. Nani wanimba musese ngulu yaya. Nani watimu na musese ngulwe. Nani wawanda musese ngulu yaya.
soupo ina po. Aha, aha, aha. Chula buka kondon chila Mena bunje mangi luzolo amenza ambi wanzabwe Chakumike no na babo Chakumike no egaya Pogo mbike no na babo Njambule no egaya On the way, so far, jeze, jeze, chini, vichini l'émission Musique entre les lignes, l'émission qui vous donne le goût de suivre des clips en HD. Aujourd'hui, je suis revenu dans la maison des mamans Inès, donc librairie, galerie, Primo. Ndako, beaucoup, beaucoup tard, biloka bien, ba livre, ba CD, même ba clé. Donc, ba clé, ba tout quoi. Et tu kaka, tout le monde a clé à Erol Mawangana et Loa Samba. Bon, je vais pas beaucoup vous ramener en bateau, je reçois un jeune. Un jeune Congolais, lui, il fait un peu du tout, donc du world music. Je veux vous le présenter, il s'appelle... non, je le salue d'abord. Bonjour Ben Siem. Bonjour Monsieur Fred. Comment tu te sens? Oui, je vais bien. Et vous? Je suis en forme. Chers amis, vous voyez, j'ai tenté de parler de Ben Siem, un artiste congolais, oui. Les gens vont se dire, oh, on ne le connaît pas, mais il est congolais. Ben, tu peux nous parler de toi? Je m'appelle Ben Siem, comme vous venez de le dire. Ouais, Ben Siem. Je suis un artiste congolais évoluant ici, au Congo-Brazzaville, et précisément dans mon studio appelé LM Record. Voilà, monsieur. D'accord. Ben Siem, tu es dans la musique depuis quand? Ça fait près de 3 ans. Trois ans que je chante. Waouh. Oui. Comment est née cette passion-là? De chanter. Depuis que j'ai l'âge de 6 ans, oui. J'avais toujours tendance à chanter. À la maison, tu chantais à la maison? Oui, oui, moi-même comme ça, pas dans un studio, mais j'étais moi seul comme ça, je chantais. Tu n'as jamais mis pied dans la chorale ou bien quelqu'un t'enseignait? Non, non, non. C'est né comme ça? Oui, j'avais tendance à chanter. Souvent, je cassais même les oreilles de ma soeur. Wow. Ma soeur se plaignait souvent, elle disait, tu me casses les oreilles. Mais le nom de la soeur, on peut connaître? Oui, elle s'appelle Yakim.
Yakim. Yakim, vraiment, excuse ton frère, hein, parce que lui-même, il vient de dire qu'il te cassait les oreilles quand tu chantais. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, depuis quand tu as commencé à enregistrer tes chansons en studio? C'est depuis la quatrième. Parce qu'avant, comme je viens de le dire, j'avais toujours tendance à chanter, mais sans aller dans un studio. Et puis, un jour, un grand frère à moi, qui est aussi un artiste, on l'appelle Fabi Black, que je respecte beaucoup, qui m'a écouté et qui a dit « Oh, petit bêta, t'as de quoi faire une dinguerie, viens au studio, on va essayer de voir ce que tu peux faire. » Et on est parti, j'ai enregistré mon premier morceau. Et quand tu as enregistré le premier morceau, comment tu t'es ressenti? Parce qu'avant, à la maison, tu chantais, mais maintenant, enregistrer un premier son, et quand tu as réécouté le son, comment tu t'es senti? Oui, vu que c'était une première fois, j'étais un peu joyeux. Je me disais, waouh, c'était une première fois parce que j'avais souvent écouté d'autres artistes. D'autres artistes, oui. Et autres. Et là, maintenant, c'est moi-même que j'écoute. C'était formidable. Un premier son. L'instrumental a été fait par mon frère. Un frère à toi? Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est toujours lui qui fait les sons? Non, quelques. C'est mon frère Ruchini Juris. Oui. Ruchini Juris, qui a fait la prod. Oui. Un premier son que j'ai intitulé « Ma moitié ». Ma moitié. Oui. Wow. Qui parlait un peu de love. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai persévéré. J'ai toujours continué à chanter. Et j'ai fini ma première mixtape. Une mixtape de 12 titres intitulée « L'insolite ». Oui. L'insolite, oui. Donc, voilà quoi. Maintenant, j'aimerais savoir, quand tu as commencé à enregistrer tes chants, oui, pensais-tu partir si loin? En fait, j'ai toujours été l'un des artistes qui avait toujours tendance à croire. Oui. À croire, parce que la musique, c'est la persévérance. La réussite ne vient pas dans deux matins comme ça. Oui, il faut se battre. Le fait, il faut persévérer. Donc, j'étais toujours dans cette perspective-là de voir les choses. Je me disais toujours, si je persévère, le travail finira par payer. Mais aujourd'hui, ça paye, non? On peut dire ça. D'accord. Donc, j'ai continué. J'étais sûr que si je me donnais à fond, les choses évolueraient. Donc, voilà, j'ai toujours pensé que ça marcherait. Tu sais que nous sommes au moment de la rentrée. Les enfants, ont repris avec le chemin de l'école. Oui. Je vais inviter des amis, jeunes comme toi, qui chantent Aimer l'école. On va un peu suivre ce clip. Oui, d'accord. Avec plaisir. Chers amis, nous allons suivre le clip Aimer l'école avec les enfants de l'école Immaculée. À vous. Dans la vie actuelle, les parents doivent inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles afin qu'ils reçoivent l'éducation scolaire. Cette éducation leur montrera le chemin à suivre tout au long de leur vie. Écolier, écolière, ne fous pas tout en l'air. Ton père, ta mère ont tout fait pour te plaire. Ce sont les meilleurs parents de la terre. Ce sont le meilleur enfant de l'univers. L'école est plus clé, mon frère, pour toute une vie, ma soeur. Elle te sortira de cet enfer. Alors si tu veux, frérot, sois-en fier. Pour réussir, tu dois recevoir l'éducation scolaire. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. À l'école, il mérite de se soumettre aux droits des enseignants, car il faut le préserver pour de l'aide de l'avant, afin que son futur soit formidable. Yeah. Afin que son futur soit impeccable, l'œuvre de réaliser, à quel point l'école est belle, pas de belle-mère. Pour que ça, c'est Dieu. Il faut se soumettre, pas de justesse, oui, pas de complexe, à nous serons à femme. Sans doute, l'école est la meilleure, n'allez pas ailleurs pour l'éducation du fond. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Dans la vie tout au fond,
enfant a besoin d'éducation pour sa bonne évolution dans sa carrière d'apprenant. Oui, car sans l'école, on ne peut pas lire, même pas écrire un mot. Yeah. Donc on peut vous dire que l'école est l'avenir. Tôt ou tard, c'est votre vie, mes amis. Sans embûche, devenir social. L'école joue un rôle dans la vie sociale. Chers parents, l'éducation de vos enfants doit être l'une de vos préoccupations. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. La culture nous provient d'ailleurs, mais l'éducation nous rend meilleurs. On a fait du bien, oui, on a eu des vins, oui. On a fait du bien, oui, on a eu des vins, oui. C'est pourquoi je vous demande, parents, l'amitié est un pur, véritable talent. Parents, préparez pour vos enfants un bon avenir. Cet avenir se prépare à l'école où tout enfant peut beaucoup acquérir. Mais pas n'importe quelle école, il faut une école avec une bonne éducation. L'éducation est importante dans la vie d'un enfant. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Oh chers parents, poussez vos enfants à aimer l'école. Chers amis, l'éducation scolaire est vraiment nécessaire. Mes amis, allez à l'école. Votre avenir par le destin est entre vos mains. Sans éducation, rien ne pourrait être meilleur. Réveillez-vous, vous qui sommeillez. Dans la vie, faut pas rêver, sinon vous crèverez. Nous dédions ce morceau à tous les élèves de Marie Maculée, à la sœur Victoria, au DE Monsieur Théi, sans oublier le maestro Mister Loco et l'ensemble des enseignants. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. L'éducation scolaire est importante dans la vie d'un enfant. Afin de l'orienter vers un avenir meilleur. Chers amis, je pense que le clip Aimer l'école vous a plu. Je salue le jeune mécène, sans oublier sa maman, Madame Blandine Louboumou, l'attachée. Je suis toujours avec l'artiste Ben Siem. Oui. Ben Siem, quelle est l'image que tu as de la musique congolaise? Merci pour la question. C'est oui. Une question très intéressante, j'avoue. Oui. Artiste que je suis, j'aimerais pas tellement donner un jugement personnel. Oui. Mais ce que je peux dire, c'est que j'apprécie beaucoup la musique congolaise. Oui. Et tous les artistes, d'abord ceux qui nous ont précédés et actuellement, mm-hmm. j'apprécie vraiment ce qu'ils font. Oui. Et actuellement, quand j'entends les Roga Roga, oui. Makalba et Sosé, franchement, ça m'inspire beaucoup. Honnêtement, je pense qu'ici, au Congo, oui. la musique n'a pas vraiment la valeur mmh. et la grandeur qu'elle mérite vraiment. Oui. Et quand je pense que ces artistes se donnent à fond, mmh. ils essaient un peu de faire rehausser la musique congolaise. Mmh. Oui. Moi aussi, de mon côté, moi, parce que je ne suis pas seul, oui. j'ai toute une équipe derrière moi. Wow. J'ai aussi des artistes de ma génération. Ah, vous avez entendu, hein? C'est bon. Ouais, j'ai des artistes de ma génération oui. qui se donnent aussi oui. dans la musique. Mmh. Et petits que nous sommes, parce que parfois quand je monte sur scène là, lors de mes concerts, on se dit mais putain ce petit là il s'est perdu en chemin ou quoi. Ouais. Pas quand je presse là, je dis oh, t'es un artiste, je dis, ouais je suis un artiste. Donc petits que nous sommes, mm-hmm. nous essayons de nous battre afin de prouver aux gens que même si nous sommes des gamins, nous pouvons apporter un plus. Tu comprends Lingala? Plus ou moins. D'accord, en Lingala, cet adage dit que Banamikie, Babé Takambunda, Bakolo, Pe Babinaka. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux jouer autant que petit que tu es, mais les grandes personnes peuvent danser si vraiment il y a un fond dans ce que tu chantes. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes disent que non, pour que tu sois écouté, il faut chanter des bêtises. Pas forcément. Il faut chanter des trucs un peu vulgaires. Oui. Là, vraiment, tu seras écouté. Et que quand tu donnes un peu de leçons, comme on écoute dans tes chansons, oui. et que tu ne seras pas écouté. Est-ce que c'est vrai? Je pense que les artistes, on a parfois tendance à oublier vraiment notre devoir. Oui. Parce que nous, artistes que nous sommes, nous mouvons. Mais à un certain moment, nos auditeurs doivent
gagner en plus. En plus, ils doivent oui. se dire, mais quel est le message? Oui. Et moi, je pense que nous, artistes que nous sommes des professeurs. Oui. On a le devoir d'éduquer. D'éduquer, et mais voilà. C'est en éduquant les bêtises ou bien... Non, pas les bêtises. Mais en éduquant en quoi? En conscientisant la population. Oui. En parlant pas forcément aller à l'école, non, mais des messages de vie. De vie, parce oui. que des messages de la vie courante. Comment mmh. il faut savoir se comporter, comment est-ce qu'il faut faire. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment très important. Maintenant, nous allons parler de ce qui t'amène ici. Tu as un album en cours. Oui, oui. Le titre de l'album Le titre de l'album, c'est Incontestable. Incontestable. Oui, oui. Ah, mais pourquoi? Pourquoi ce titre qui a 13 lettres comme ça? C'est kilométrique. Oui. Bon, mais quoi, tu as un problème avec quelqu'un? Non, non, non. Mais en non, fait, pourquoi ce titre? Quand vous écoutez le titre Incontestable, oui. franchement, ça va vous intriguer. Vous allez vous demander pourquoi Incontestable. Oui. Cet album qui est en cours, oui. Il sera basé sur ma détermination. Ah, donc tu parles de toi-même? De oui. ma détermination et non de ma vie. Oui. Parce que c'est deux choses oui, oui. différentes. Uh-huh. Parce que Incontestable, c'est ma détermination à réussir dans la musique. Réussir. Incontestable. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que tu ne vas pas réussir dans la musique? Non, c'est parce que j'ai envie de réussir. Comme je l'ai dit oui. dans l'une de mes chansons, oui. mon but est de donner le double de ce que mes parents ont payé. Ont payé. Oui. Les parents ont payé les études oui. et continuent à payer tes études. Maintenant, toi, tu veux réussir aussi avec la musique parce que c'est oui. ta vie. Oui, et je compte réussir. Oui. Et ça, c'est vraiment l'objectif sur lequel je me suis fixé. Maintenant, dans ton album, nous avons un clip. Le nom de ce clip, c'est Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Oui, c'est un premier single. Quoi, il y a quelqu'un qui a voulu un peu te menacer et puis tu demandes aux autres ou bien à une personne de non, ne pas non, écouter. Non. En fait, le clip, si vous voyez le clip, oui. L'histoire raconte un jeune homme oui. qui vit dans des conditions plus ou moins modestes. Oui. Oui. Dans lequel je suis le personnage. Donc oui. j'ai essayé d'interpréter. Donc ce petit a une fille. Oui. En fait, gère une copine. Oui. Ils s'aiment entre eux. Mais à un certain moment, la fille aussi aime le garçon. Oui. Mais la fille, à force d'écouter ce que les autres disent de Mac, elle finit par avoir une pensée négative sur notre relation. Quoi. D'accord. Et puis, elle s'en va, voilà pourquoi. Donc, dans le titre, c'est Ne les écoute pas. Ne les écoute pas, c'est un clip qui a été réalisé ici au Congo. Oui, oui. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quel est le message que tu transmets dans cette chanson. Oui. Quand vous voyez Ne les écoute pas, oui. il ne faut pas forcément vous centrer sur le plan d'amour, oui, non, oui. mais il faut le voir sur une perspective plus élargie, uh-huh. parce que c'est dans la vie courante. Oui. Donc le message ici, c'est de ne pas écouter ce que les autres disent. Ouais. C'est vrai qu'à un certain niveau, les gens, oui, hein, oui. ce qu'ils disent est parfois important, il faut passer en premier lieu mm-hmm. ce que nous pensons. Mm-hmm. Et c'est ce qui est plus important. Parce qu'à force d'écouter ce que les gens disent, on peut s'éloigner de notre oui. chemin, on peut perdre certaines personnes. Donc c'est comme les gens qui disent que non, tu vas pas réussir dans la musique. Oui, oui, c'est un et peu tu dis aux parents, ne les écoutez pas. Effectivement. Oh là là. J'aimerais beaucoup remercier mon père parce oui. que c'est grâce à lui que tout ça a pu être possible. Quoi. D'accord. Parce que sans lui, tout ça ne pourrait pas être réalisé. Voilà donc, pourquoi je tiens vraiment à lui remercier parce que à un certain niveau, parfois ça m'a intrigué un peu. Oh, papa, il me soutient. Oui. Et puis moi, je pense que si tous les parents pouvaient faire ça, oui. ça devait être mieux. Ça chers amis, je ne coupe pas mon artiste, mais son père est en train de l'aider. On n'a jamais vu ça. Mais dans l'ancien temps, il y avait un monsieur qui le faisait, Pierre Montoiri. Aujourd'hui, il y a monsieur Mbouilou qui soutient son fils. On n'a pas dit qu'il est ton producteur, mais il se bat parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de producteur. C'est ça, non? Oui, oui. Donc, tu cherches un producteur et un manager. Effectivement. Les portes sont là, tu peux vraiment leur demander. Oui, je solliciterai tout manager et autres, s'ils peuvent te soutenir, oui. soutenir, ce serait une bonne chose. Surtout que tu as un album, on aura combien de titres? Bah, vu que l'album est en cours, j'aimerais pas donner des détails précis. Oui. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que l'album sera lourd. Il y a vraiment beaucoup de titres. Ah, on parle du lourd, hein? Oui. Mes amis, vous savez, quand on dit lourd, ça veut dire ils ont pesé. Hein? Pour nous tomber là, il faut même 25 personnes. Parce c'est que ça, non? Avant ça, j'ai d'abord fait un premier projet, oui. une mixtape, l'insolite, oui. que j'ai dit récemment. Et on retrouve 12 titres. Et parmi ces 12 titres, oui. il y a 5 styles. Parce oui. que j'ai fait l'afro, la ouais. trap, le rap, l'R&B et c'est ce que je disais, que tu fais du world music. Donc, oui. tu fais un peu de tout ça. Oui, je me bats à essayer d'être à l'aise dans tout style de musique. D'accord. Et donc, Incontestable, vu que ce sera un album très lourd, il y aura beaucoup de collaborations, uh-huh. notamment avec les artistes de mon label, oui. LM Record. Mais pas seulement du label, oui. mais aussi des artistes provenant de notre label, afin de... D'appuyer de l'album. Une force, quoi. D'accord, Ben, nous allons avec toi-même oui. suivre un grand. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Ah. Tu sais comment on l'appelle? Non, non. C'est Yabongo Love.
Il y a Bongo Love. Ça te dit pas congolais le nom là? Pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Mais déjà, si on dit Ya Bongo. Ya Bongo. Ouais, oui. Ça sonne congolais. Ça sonne congolais. Oui. C'est, ouais. En ce moment-là, c'est le roi du Zouglou. Ah bon. Mais il a chanté pour Arafat, donc hommage à Arafat, que nous allons suivre avec toi-même, hein, et voir un peu le niveau des autres. Ouais, c'est un chers honneur. Amis, donc on suit Ya Bongo Love, donc hommage à DJ Arafat. À vous. On aimait tellement ce que tu faisais pour la nation, qu'on est tombé sous le choc. On n'a jamais pensé un seul instant qu'on allait te perdre. On n'a jamais pensé un seul instant qu'on n'allait plus te voir, non, non. Tu nous parlais toujours de ces détracteurs, de ces personnes qui veulent te voir forcément dans le solo. Tu n'as pas science, héros d'Aïchi. Tu n'as pas science, héros Yoram. Tu n'as pas science, héros d'Aïchi. Tu n'as pas science, héros d'Aïchi. Tu n'as pas science, héros Yoram. Tu n'as pas science, héros d'Aïchi. On pouvait tous imaginer, mais jamais penser de faire tout. Tous imaginer, mais jamais penser de faire tout. On t'avait pourtant prévenu que tu devais t'éloigner de cette moto-là. On t'avait pourtant prévenu que tu devais t'éloigner de cette moto-là. Mais tu nous disais que la moto-là c'était ta vie, meilleur bon, tu nous as eu. Regarde un peu comment tu as mis tout un pays dans la tristesse. Oh, oh ça, oh, ta, oh. Mon commandant Zambra, Pérou c'est ça, ma la page chauvinise et s'envole. Regarde un peu, à travers le monde entier on pleure pour toi. De Canada en Afrique on pleure pour toi, même en Allemagne on pleure pour toi. Nous-mêmes on pensait que c'était une petite affaire, tcha, tu es vraiment une icône. Monument là, monument, hey, un fliamento. Tu n'as pas science, oh, Daïchi, tu n'as pas science, oh, Yoram. Tu n'as pas science, oh, Daïchi, oh. Tu n'as pas science, oh, Daïchi. Tu n'as pas science, oh, Yoram. Tu n'as pas science, oh, Daïchi, oh. Je me rappelle quand tu me disais, y'a Bongo, toi et moi on va faire une chanson ensemble. Heureux que j'étais, j'attendais ce jour. Mais jamais, au vrai jamais, cette chanson ne pourra se réaliser. Tu m'as piqué dans le cœur, mais tu n'as pas science, oh Daïchi. Tu n'as pas science, oh Yoram. Mais tout ce que je sais, mon frère, sache que t'as vraiment marqué ta génération. Tout ce que je sais, mon frère, sache que t'as vraiment marqué ta génération. On ne t'oubliera jamais, on ne t'oubliera jamais. 8500 volts, 12 000 volts. Comme de la puissance dans le corps, tu as fait danser toute l'Afrique. N'oublie pas, on t'aimera jamais, à jamais, à jamais. Tu n'as pas science, oh Daïchi. Tu n'as pas science, oh Yoram. Tu n'as pas science, oh Daïchi, oh. Tu n'as pas science, oh Daïchi. Tu n'as pas science, oh Yoram. Tu n'as pas science, oh Daïchi, oh. Qui va faire ta musique là, oh, là, là. Danser, oh, oh, là, là. Qui va faire les tirettes de clash, oh, là, là. Qui va encourager ses amis, oh, là, là. Oh. Oh, là, là. À toute la Chine, oh, là, là. À la Eurogang, oh, là, là. À la Bissafa. Chers amis, je pense que le clip de Ya Bongo Love vous a plu. C'était hommage à DJ Arafat. Même s'il n'est plus de ce monde, mais il sera toujours l'héros. Hein? Talakaka. Yé Motasali qui est coupé, décalé et kendelikolo. Moi, je continue mon émission avec Ben. J'aimerais savoir qui a réalisé ton clip. Mon clip, Ne les écoute pas, a oui. été réalisé par Donavi Owen, de DE Records. Et comment était le travail? Le travail, c'était un travail professionnel. J'ai oui. beaucoup aimé le clip. Oui. Il était bien fait et je lui remercie beaucoup pour son si travail. Si on te demande de refaire un clip avec lui, tu le feras? Bien sûr.
Et le clip a été réalisé ici à Brazza? Oui, oui, ici à Brazza. J'ai vu des danseuses. Oui, c'était qui et qui? Bah, c'était hein, la famille. Ah là. Parce que le papa, comme moi aussi, je voulais que ce soit un clip un peu familial. Oui. Donc, il y avait, en gros, toute la famille était là. Toute la famille était là. Oui. Donc, ça veut dire que toute la famille te soutient. Bien sûr. Wow. Et pour moi, je pense que artiste, oui. Avoir le soutien de sa famille, oui. n'est certainement pas le plus facile, mm-hmm. mais c'est très loin d'être le plus difficile. Wow. Parce que c'est vraiment pas facile. Qui a produit le clip? Le clip, oui. C'est mon père. Mon père qui a financé. Qui a financé le clip? Oui, je lui remercie beaucoup pour ça. D'accord. Oui. Mais il va se battre aujourd'hui pour la publication et la diffusion de ce clip. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu peux bien réaliser un clip, mais il faut le diffuser dans les chaînes et tout ça. Donc, il faut se battre pour que les gens puissent connaître un peu le clip. Uh-huh. Compris? Maintenant, aujourd'hui, moi, je veux que tu présentes aux amis qui sont à la maison, et collègues de classe, amis de la famille, même des fans. Uh-huh. Présente le clip, ne les écoute pas. Il faut leur dire vraiment de ne pas écouter ceux qui insultent Musique Entre les Lignes. Mais à toi, Ben. Okay. Salut la famille. Moi, c'est Ben Siam, votre artiste. Alors, je vous conseille d'écouter mon nouveau clip, Ne les écoute pas, qui parle de love, mais aussi d'éducation, hein, concernant ne pas écouter toujours ce que les autres disent. Alors, je compte sur vous pour vous abonner sur mes chaînes et de beaucoup suivre le clip. Big up. Donné à n'importe qui, hein. Oui, oui. Bien réalisé. Étant jeune qu'il est, il... Et ce clip-là mérite d'être en promotion. Merci. T'inquiète, demande aux amis de voter, ton clip restera longtemps. Mais si les amis ne votent pas, ah, tu le verras sortir dans une semaine. Ça veut dire qu'il faut faire l'effort qu'on puisse voter le clip. D'accord? Oui, je suis persuadé parce qu'il y a la famille qui m'écoute, il y a mon équipe, il y a les amis, il y a mes fans. Et oui. Je pense qu'ils sont là toujours derrière moi à me soutenir. Oui, il faut leur demander aussi de suivre l'émission Musique Entre les Lignes. Oui. Musique Entre les Lignes, c'est l'émission qui donne au top et qui donne le goût de suivre des clips en HD. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui. Ben Siem, ton dernier mot? En dernier mot, j'aimerais dire aux parents, oui. comme l'a fait mon père, d'accorder un petit moment à ses enfants, aux enfants, oui. de vaquer à ce qu'ils aiment le mieux faire. Mmh. Oui, comme l'a fait mon père, il m'a, bien sûr, il y a l'école, mais il m'a accordé un petit temps pour me pousser. Te pousser, et oui. De guider même. Me guider, oui. Dans ce que j'aime le mieux faire. Parce qu'à côté, il y a l'école et à côté, il y a la musique. Bien sûr. Oui. Et j'ai toujours dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. À la fois, oui. Mais on peut les attirer en même temps. Oui. Mais je peux te dire, tu sais que moi aussi, je chante. Ah, oui, 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 je sais. J'étais aussi à l'école comme toi. Ah. Une fois, en pleine activité, oui. on me pose cette question-là et j'ai fait communication. On me dit, bon, Fred... Tu fais la communication et tu chantes. Un jour, tu te gradues. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas faire la communication que tu aimes ou tu prendras le chemin de la musique? Tu sais quelle était ma réponse? Non. Tu peux donner cette réponse? Imagine, c'était quoi? Bah, si je peux être à votre place, oui. je pense que vous direz les deux. Les deux, merci. Comment tu as su que j'avais dit que les deux? Ma réponse était que j'aime la musique oui, oui. parce que c'est inné, c'est né en moi. Oui. La communication, oui, je l'ai appris parce que je voulais être communicateur. Aujourd'hui, ça me paye. Donc, j'ai pris la communication et la musique. J'ai mélangé. Aujourd'hui, ça fait musique entre les lignes. C'est pas ça? Bien sûr, c'est ça. Les dédicaces. Pour les dédicaces, en premier lieu, j'aimerais vraiment remercier mon père. Oui. Mon père, Monsieur Mvilou, qui a été une personne indispensable, vraiment oui. indispensable pour moi. Et je lui remercie du fond du cœur. Pour tout ce qu'il a fait, oui. car j'avoue que c'est pas facile, parce que oui, de c'est jour, pas facile, les parents, oui. franchement, quand ils voient que leurs enfants se trimballent dans ce genre d'histoire, mmh. franchement, ils sont vraiment mécontents. Uh-huh. Alors que mon père, il a
une certaine confiance en moi. Oui. Et moi, j'approuve vraiment et j'aimerais le remercier. Moi aussi, je dis bravo à M. Mouilou. Et en deuxième lieu, j'aimerais remercier ma mère. Oui. Ma mère qui est vraiment ma conseillère. Waouh, tu as même une conseillère. Oui, oh, oui. Maman. Mon amour. Salut, elle, maman. Elle me donne beaucoup de conseils. Mm-hmm. Oui, oui. Et j'aimerais vraiment la remercier. En troisième position, j'aimerais remercier mon studio. Oui. LM Record. Oui. Un grand studio. Et aussi le président du label, Yamani, mm-hmm. qui vraiment nous pousse à nous donner au maximum. D'accord. Et notre studio est toujours ouvert à tout artiste qui veut entrer dans nos studios, nous sommes prêts à les accueillir. Et en bref, j'aimerais remercier tous mes fans, mes amis, la famille qui m'écoutent. Et j'aimerais leur dire de plus nous soutenir, car mm-hmm. sans vous, artistes que nous sommes rien. Zéro. Oui. Mais non, si tu peux donner tes contacts, s'il y a peut-être un producteur ou un réalisateur ou un mécène qui veut te contacter, sûr, oui, dans sûr. Ton numéro. Mon numéro, c'est 06 908 25 83. Et tu peux reprendre encore. Oui, 06 908 25 83. Oui, contact par email. Mouilou@gmail.com. Ouais. Donc, on est là quoi. Tu as un WhatsApp parce qu'aujourd'hui, vous les jeunes là, sans oui. WhatsApp, tu ne peux pas dormir. Oui, là. WhatsApp, donc à travers mon numéro. Vous pouvez oui, tu peux encore redonner. Sur Facebook, 20e. Mmh. Et sur Facebook, j'ai une page, 20e Official Tale. Donc, il signifie. Bah, comment Mendel hein. L'histoire officielle. Donc, sur Instagram, partout, je suis là. Mmh. Et voilà quoi. Ben Siem, vraiment, c'est fut un plaisir pour moi. Vraiment, le plaisir, comme je l'ai dit toujours, est le mien et de mon équipe. Donc, Erol Mawanga, Eloi Samba. J'oublie pas, lui, c'est Alain Serge Mampouya, avec l'association du même nom. J'oublie pas Dan Cooper, le grand Bololo. Vous, depuis Paris, comme Sirak Basoka, son équipe. Na États-Unis, Tangouri. Ah, je suis la famille tout mon bimba. Hein? Batteur Bayonne, quoi. Donc, la famille Bayonne depuis les États-Unis, depuis le Canada, donc depuis Amérique, si on peut bien le dire. La PCP nous tout mbote, Batteur Amérique. La PCP mbote, la soeur nana motema. Ah, ma mingar le batte, je vous aime. Mais je préfère finaliser mon émission avec l'homme qui est ici. Ben, nous ici, on dit hasta luego. Tu parles espagnol, non? Non. Tu parles pas, je parle chinois. Tu parles chinois. Oui, oh là là, oui. D'accord. Mm-hmm. Donc moi je vais dire en espagnol hasta luego, toi tu diras en chinois. Zai jiam. Ah d'accord, donc on regarde ici, on est parti. Zai jiam. Hasta luego amigos. Nos vemos la semana que viene. Je vous aime. Ça rime dans la bouche. Je dis comme pas, j'irai chercher jusqu'au mandasos. Tu ruines, c'est l'envie s'active. Je dis comme pas, j'irai chercher jusqu'au mandasos. Mon rêve désir, ce bon fleuron. Je dis comme pas, j'irai chercher jusqu'au mandasos. Va chacquérir.